Salut à tous! Bonjour, je m'appelle Olaf et j'aime les gros câlins. Je vous adopte. Vous êtes trop chou. On libéré, délivré. On libéré, délivré. Il est où Olaf? Il est où Olaf? Quelqu'un a vu Olaf? Olaf! Olaf! On était... Vas-y, m'en veux pas, frère. C'était juste pour rigoler. On rigolait, sérieux? Oh, celui-là, il prend tout en premier degré, hein. Mais bonjour, toi, le petit nouveau. Mais bienvenue. Mais bienvenue dans la team. Hey, hey, bonjour. Le froid est pour moi le prix de la liberté. Hello les loulous, on se retrouve pour une super vidéo où vous allez voir, on va se marier, enfin je vais me marier parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois je me marre toute seule. Une vidéo spéciale à Reine des Neiges parce que la Reine des Neiges c'est un de mes Disney préférés, je sais que je dis ça dans toutes mes vidéos. Bon alors, la Reine des Neiges c'est quand même une œuvre d'art majeure. Liberate, Deliberate, c'est un peu comme la Macarena en fait, tu vois, c'est la balle, il y a une petite danse, un petit truc, il y a des petites mimiques qui vont avec, voilà. Bon, ce dessin animé, il est top, mais on peut quand même dire qu'il y a quelques petites incohérences. Genre du type Anna, la bomba, tu vois, la petite bomba et tout, star de, la star de, tu sais, je vais fêter ce renouveau. Ça bousille les oreilles, tu vois, c'est renouveau. Elle est bien comme ça, toute pimpante, et un jour, elle part en mission sauvetage, hein, pour, voilà, pour les liens fraternels. En pleine montagne, les gars, à moins 72 degrés. À moins 72 degrés. Et encore, je suis gentille. Mais elle peint en petit t-shirt. Mais elle peint en petit t-shirt, les gars. Elle a juste sa petite cape, mais sa cape, on dirait un paréo, frère. Elle oublie qu'elle partait en montagne, qu'elle partait pas avec son paréo sur les tropicaux. Tu vois ou pas? Bon bref, à part ça, le film est génial. Cette vidéo, à la base, je l'ai faite pour vous présenter la collection d'Arendelle. Ça fait quelques petits jours qu'elle est sortie. Vu que je suis pas du genre ponctuel, les gars, j'arrive après. Mais bon, c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. On commence par le personnage emblématique. Olaf. Voilà, c'est une tuerie ce personnage. Franchement, il me fait triper, tu vois. J'aime les gros câlins. C'est une tuerie, tu vois. Et je suis trop contente d'avoir trouvé cette petite peluche à Primark. You see, à Primark. Sauf, j'arrive pas à parler. Tu peux allumer son pif. Bon, t'es obligé de lui faire une prise, tu vois. Pas allumer son pif, mais c'est pas grave. T'allumes et regarde ça. Et je l'adore. Faut savoir que Olaf, il me fait triper. C'est quand même le seul personnage pour lequel l'expression « un jour t'oublieras ta tête » prend tout son sens. Le truc, le bonhomme, il passe sa vie à se recomposer. Tu vois, un bras, une tête, un truc, toute la journée, il se puzzle le mec. Il se puzzle. Tu vois, nous les filles, le matin, passe 2 heures dans la salle de bain, mais c'est le matin. Mais lui, toute la journée, il se prépare, toute la journée, il se recompose. C'est pour ça qu'on l'aime et j'ai la version miniature de... Mais non, mais c'est trop chou. De toute façon, il y a du Olaf partout, hein. Ici, derrière, ici, enfin bref. Bon, alors, il fait froid, ça caille, il faut s'habiller les gars, et j'ai la solution pour que vous vous habillez tellement stylish, 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 en mode Arendelle. Vous êtes prêts? C'est parti. Et voici le Spirit Jersey de la collection d'Arendelle qui est d'une couleur fabuleuse. Ça va peut-être pas super bien rendre au niveau de la caméra, comme ma tête, ça rend jamais très bien. Et voici
voici ce magnifique Spirit Jersey. Hop. Donc vous avez le petit Disney là, le petit, petit dé du Disney qui est tout bruyant, tout shining, tu vois. Avec plein de paillettes à l'intérieur, vraiment, vous avez plein de paillettes incrustées dans le jersey. Même au niveau du tissu, c'est pas seulement au niveau de logo. Et je vous montre, hop, l'arrière du t-shirt. Hop, comme d'hab, c'est marqué Disneyland Paris. Et il est vraiment sublime. Ils sont bons, hein. C'est parce que je l'ai déjà porté. Est-ce que vous aussi, vous faites partie de la team qui kiffait votre odeur naturelle? Ou y'a que moi? Bon, je pense qu'il y'a que moi en vrai. Après réflexion, tu vois, je me dis, je pense qu'il y'a que moi. Eh, le clou du spectacle. Après moi. C'est ce magnifique sac Loungefly. Vous savez que je suis une tordue des sacs Loungefly et je commence à en avoir moult et moult et moult. Mais celui-ci, je ne pouvais pas passer à côté. Non mais regardez-moi, ça. Regardez-moi ça. Il m'illumine, tu vois. Il m'illumine. Il me fait un teint parfait. Il me fait un teint d'Arendelle. C'est le teint d'Elsa. Elle a toujours le teint frais, tu vois. Tu vois, le froid, la glace, la maintient fraîche, quoi. Ben voilà, ben ça fait le même effet sur moi. Mais regardez-moi ça. Bon, c'est toujours la même taille. Hein. Petit format, je veux dire. Tu peux pas prendre grand-chose non plus. Hein. Tu peux pas emmener ton agneau là, tu vois. Mais voilà, tu peux prendre le petit. Mais bref, voilà, vraiment scintillant, tout en sequins, comme d'hab. Hop, je vous montre l'arrière, les petites... Tu sais, là, on dirait le monstre. Bref, voilà, tout en scintillant, ça ne se dit pas, mais je voulais le faire. On termine sur un petit pincé gant stylé. Le froid, pour moi, le prix de la liberté, le fruit ou le prix, en fait c'était le prix, et dans l'intro j'ai dit le fruit, c'est peut-être parce que j'ai mangé une salade de fruits ce midi. Bref, voici. Donc là, attendez, hey, yes, yes papa, yeah, les petites oreilles. Alors attendez, il va falloir que je fasse toute une cascade pour rentrer dans le cadre. Tu me dirais, c'est quand t'as fait une connerie, tu sais, quand t'étais petit. Yeah! On était... Attends. Fais le combo. Salut. Moi, c'est Océane. Salut, c'est Océane Dreamy. Don't call me up. I'm on a night tonight. Fini pour un out of my mind. I'm on a cabal. Don't leave it behind and change it out of my mind, not my together. On est dans une homogénéité des couleurs et tu vois, c'est trop style. En fait, je trouve que la collection, elle est top parce que tu peux t'habiller en Elsa, en mode Arendelle, tout en faisant assez adulte, tu vois. C'est subtil, tu vois, tout est en subtilité. Et voilà, encore une fois, je vante, j'allais dire, je vante les mérites et les bienfaits, mais non. Je vante, bon, si, les mérites et les bienfaits des sacs Loungefly parce qu'ils sont topissimes, ils sont de qualité, ils sont super beaux. Ils sont assez petits, mais voilà, juste magnifiques. Les petites oreilles, le Spirit Jersey, qui coûte assez cher, mais qui est quand même, qui tient la route, quoi, tu vois, il tient la route. T'as du tissu, là, c'est du vrai tissu, tu vois, c'est du tissu de compétition. Et bien sûr, j'ai craqué sur une autre paire d'oreilles, une autre paire de ears. Saviez-vous d'ailleurs que les paires d'oreilles, c'est ce qui se vend le plus dans le monde entier? Voilà, ces magnifiques oreilles, je vais vous les montrer de plus près. Regardez-moi cette beauté. Donc là, c'est un peu brodé, quoi, en matière argentée. Voilà, vous avez le petit nœud pareil avec des petits flocons. Et je trouve ça trop trop beau derrière l'étiquette. J'adore faire ça. Je suis obligée de faire ça, c'est le passage obligé, tu vois. Donc trop trop beau, je vous les conseille. Celles-ci, je pense qu'elles étaient un petit peu plus chères que celles-ci, parce que bon, elles sont un peu plus élaborées, tu vois. Il y a un petit travail en plus, il y a une petite touche en plus. Voilà les Bird Ears. J'ai bien surpris la nouvelle petite créature qui va faire parler d'elle, ça c'est sûr. Alors apparemment c'est une petite salamandre magique qui a des petits pouvoirs, je ne sais, mais dans la bande-annonce on voit Elsa, elle est comme ça. Et j'ai trouvé ça trop mimes, donc je l'ai pris, tu vois. En plus elle a des yeux, je la mets à côté de moi,
pour dormir comme ça. C'est stressant. Et enfin, j'ai pris la petite peluche de Sven, il est trop mignon. J'adore les toutes premières scènes de La Reine des Neiges, quand il y a lui, là, Christophe, le petit Christophe, et le petit Sven avec leur petit glaçon, là. C'est trop mignon. Alors ça me tue, tu vois, ils sont tous les deux trop mignons au début, comme ça, avec leur petit glaçon et tout. C'est trop mignon. D'ailleurs, je sais pas ce qu'ils vont faire avec leur glaçon. Et voilà, les amis, mes petits loulous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, s'il vous plaît, un petit like et abonnez-vous à ma chaîne. J'ai encore plein de surprises, encore plein de gags à prendre au 10 millième degré, hein, bien sûr. En tout cas, voilà, merci encore à tous vos bons commentaires, à tous les abonnés. Merci de me suivre, merci de kiffer avec moi. Et n'oubliez pas, la vie est courte et la magie n'attend que vous. Et faites le bien autour de vous, je vous en prie. Les méchants paieront. Bisous à tous. Allez, salut les gars, à la prochaine. Je vais acheter des carottes pour Sven. Et pour Olaf du coup. Il a perdu son nez. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire. Allez, ciao. Wouh, il y a des loups.